زمان شاه چی بوده میدونی؟ موضوع نمیدونی، شاه رو نمیشناسی، یادت نیست که برای اینکه بتونن خار مادر هویدا رو سرویس کنن گفتن هویدا چیه؟ بهاییه. راز هویدا راز بسیار مهمیه که فرح هویدا رو گرفت کرد تو زندان. چرا فرح این کارو کرد؟ برای اینکه هویدا و گروهش تنها گروهی بودن که فهمیده بودن که قراره که شاه بره مملکت به صورت فرح دیبایی اداره بشه، یعنی ملکشه، و سمت راست جمهوری اسلامی سرانش از این موضوع خبر داشتن چون همه جوی دفتر فرح کار میگردن. پس چی کرد تو زندان هویدا و گروهش و فرح دیبا؟ از شما بهایی ها مثل اصلا متوجه نمیشون. Est-ce que vous sentez la victime expiatoire à travers laquelle on essaie d'utiliser tout un système? Oui, ou même dans quelles conditions je suis. C'est pas la peine que je vous pose des questions. C'est simplement pour vous permettre de dire quelque chose qui sera entendu. Et si vous répondez en farcine? Bah, je préfère, vous savez, il faut laisser les boucs émissaires se taire, ça vaut mieux. Même s'il a l'occasion de se défendre? Mais c'est le chat qui vous a mis en prison. Ce n'est pas le régime. Mais je suis en prison depuis 6 mois. Exactement. Pourquoi pensez-vous que le chat lui-même ait décidé de vous mettre en prison? Allez lui poser la question. Je crois qu'il va mieux être adapté que moi pour vous répondre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il a certainement voulu faire un bouc émissaire de moi. Le chat? Ou le régime actuel? Le régime actuel, non, pourquoi est-ce que le régime actuel, je ne suis pas encore passé en jugement. Est-ce que vous pensez que du temps du chat, les prisonniers politiques pouvaient recevoir la télévision dans leur cellule? Certainement pas. Je ne le vois pas. Et vous pensez que c'est une forme d'ouverture et de démocratie? Espérons-le. Est-ce que, quand vous étiez Premier ministre, vous saviez combien de prisonniers politiques vous aviez dans vos prisons? Non. Est-ce que vous saviez quelle torture et quel type de torture on leur a fait? Non, je les ai su après que nous ayons demandé à la Ligue des Croix-Rouges de venir. Donc le Premier ministre d'Iran n'était pas au courant des pratiques? Notre système politique était différent du système politique que... d'autres pays, et certainement ils n'étaient pas au courant. Et pourtant, Amnesty International, depuis des années, classait l'Iran parmi les pays au monde qui pratiquaient le plus la torture. Vous ne croyez pas ce qu'ils vous écrivaient, ce qu'ils avaient dans leur rapport? Les organismes iraniens les démentaient. Et ces organismes iraniens étaient contrôlés par qui? Pas par le Premier ministre d'Iran? Non. Donc le Premier ministre, vous savez, il y avait ce que nous pouvons appeler des domaines réservés. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes la première victime de ce système politique? Vous savez, victime, je ne veux pas utiliser, je ne veux pas jouer sur les mots. Je crois que ce qu'il faudrait dire, il faut attendre pour voir comment est-ce que nous allons être jugés. Je ne suis pas le seul. Les cellules sont remplies par des anciens collègues. Est-ce que vous aviez le moins du monde conscience du degré de haine que le peuple iranien avait pour le régime par la vie? Pas dans cette mesure. D'ailleurs, vous savez, j'étais loin des affaires depuis un certain temps. Et vous étiez quand même ministre de la Cour et pendant 13 ans Premier ministre. Oui, mais je ne voyais pas dans cette mesure. Je ne sentais pas que je suis dans cette mesure. Et cela vous étonne? Vous savez, certainement, il y aura l'occasion à la Cour de répondre à beaucoup de questions.